La démocratie, je crois que c'est Churchill, hein, qui disait que c'était le pire système à l'exception de tous les autres. Voilà, on a même imparfait, la démocratie vaut mieux que tout autre système. Et pour autant, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, on a quand même un système démocratique qui chaque jour s'éloigne un peu plus des citoyens. On le voit avec l'augmentation de l'abstention aux différentes élections. Je pense qu'il y a plusieurs maux dont on souffre dans notre système démocratique. Je pense que l'un des principaux, c'est le cumul des mandats. Pour moi, c'est inexcusable qu'on puisse cumuler des mandats, parce que c'est ce qu'il y a de plus antidémocratique, parce que moi, je suis pour le mandat unique. Hein. À savoir que même quand on est simple conseiller municipal, eh bien, on est partie intégrante du système démocratique et qu'on peut, même à ce petit niveau-là, eh bien, apporter sa pierre à l'édifice. Et rien ne justifie qu'un député cumule un mandat aussi de conseiller municipal ou d'adjoint au maire ou je ne sais quoi, parce qu'une autre personne pourrait le faire et pourrait le faire beaucoup mieux puisqu'elle y consacrerait tout le temps nécessaire. Ça, je pense que c'est l'un des pires des maux pour notre société aujourd'hui. Et puis bon, peut-être aussi que la difficulté qu'on a aussi, c'est que l'économique a aussi beaucoup pris le pas sur le politique depuis des décennies. C'est aussi le sentiment peut-être d'impuissance qu'on a. Et le fait que on sait très bien qu'un certain nombre de décisions aujourd'hui ne peuvent avoir un impact qu'au niveau européen. Et moi, j'en veux beaucoup aussi aux dirigeants européens qui aujourd'hui, je dirais, ont englué l'Europe dans un fonctionnement éloigné des citoyens. On a un fonctionnement de l'Europe qui n'est pas du tout satisfaisant, qui n'est pas assez démocratique non plus. Moi, je suis pour l'élection d'un Parlement européen au niveau des 28 pays de l'Europe le même jour sur une liste qui serait une liste unique. On aurait une véritable élection européenne où ce serait le Parlement européen des citoyens européens qui déciderait des politiques européennes et non pas ces conférences intergouvernementales où chacun des pays vient en fait faire son marché et défendre ses intérêts nationaux. Voilà, donc il y a un certain nombre de réponses qui doivent se faire au niveau européen, mais il nous faut plus d'Europe pour ça et donc faire un saut vers le fédéralisme européen, faire en sorte que ce soit les citoyens européens qui s'en occupent. Et puis faire en sorte qu'au niveau national, les gouvernements et les gouvernements locaux se préoccupent, on va dire, de questions plus quotidiennes avec un mandat unique.